Sabana bombele, kalina mabosh. Kabule. Ha. Seke no na mabosh. Na yango. Shalom, 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 et bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous aimons de l'amour de Jésus. Shalom, Maman Lolo Miniaki, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Bon vendredi saint pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, shalom, famille Kelende. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Toute l'équipe de l'intention pour tous vous salue, vous aime au nom de Jésus-Christ. Shalom, Maman Gisèle Oteano. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute ta maison pour la gloire de Jésus. Si vous m'écoutez bien, dites-moi amen, 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 amen pour la gloire de Jésus-Christ. Aimez la vidéo, invitez, partagez et n'oublie pas de devenir partenaire de cette œuvre pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, gloire. Yoli sungi nangai, tika ngai na yemba, yesoza malamwe, tika ngai na yemba, shiloza malamwe. Nangai na yemba, yesoza malamwe. Nabola mounyonso salelinga. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Shalom et Maman Karine, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous nous saluons les uns les autres. Faites comme Maman Karine vous la zana. Saluons-nous les uns les autres. Dites des mots gentils. Souhaitez, mes bien-aimés, une bonne semaine, mes bien-aimés, de Pâques pour la gloire de Jésus-Christ. Bonne semaine, mes bien-aimés. Que ce soit une semaine, mes bien-aimés, de bonnes nouvelles, de bonnes choses pour toutes les familles de l'intercession pour tous. Alléluia. Gloire. Nayemba. Mboza malamu. Namounyoso salelingai. Nzembo ya mote manangai. Nateli paku ya mana yo Yesu nangai. Soki yote na koka kite. Naba presyo ya mokili Yesu nangai. Ulongi singai. Ekulusu na mapeka Yesu ponangai. Yango na yembeli yo Yesu nangai. Basi spando yon espase Yesu kaka ponangai. Yona itamzola yo Yesu. Eko tianzumbe yemoto basete na maboko. Na yembeli yo nzembo. Na mekotala. Na retrouve la vie nangai. Na mounite o alinganga lokola yo. Yesu yonde zambe na bomoi.
Ilombe na jela kamut. Shalom maman François. Shalom papa François Moulongo. Ah, ça fait longtemps que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir encore ce matin. Shalom maman Victoire Makiese, que le Seigneur vous bénisse. Shalom Ndombasi Kiamba, que le Seigneur vous bénisse. Shalom maman Rosie Mbombo. Shalom ma famille, papa Hubert Tchombani, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions pour l'attention que vous portez à l'intercession pour tous et pour tout ce que vous faites pour que l'intercession pour tous puisse aller de l'avant. Shalom, shalom, Susanna Kubenda, que le Seigneur vous bénissez abondamment au nom de Jésus. Shalom Mamana Timboyaye. Soyez bénis au nom de Jésus Christ. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce, les dieux dignes, Seigneur. Nous venons t'élever, t'adorer, Seigneur. Lorsque chaque fois, éternel et Dieu des armées, nous célébrons les fêtes, Seigneur, pour les enfants de Dieu. Oh Yahweh, nous les avons célébrés, Seigneur, l'année passée, Yahweh. Et cette année encore, 2024, Yahweh, tu nous permets encore, éternel, de célébrer, Seigneur, la Pâque. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons. Cela totalise, éternel et Dieu des armées, toute une année. Tu nous as rajouté encore, éternel, une année de plus. Seigneur, sois adoré, sois glorifié, Seigneur, parce qu'il y a d'autres qui ont célébré la Pâque de l'année passée. Mais cette année, éternel, le Dieu des armées, ils ne peuvent pas fêter cette Pâque parce qu'ils ne sont plus au milieu de nous. Éternel, sois loué, éternel, sois adoré, éternel, sois magnifié, sois exalté, digne, étonnant, l'incomparable Dieu, le soleil de la justice, le soleil levant, les dieux d'amour, les dieux miséricordieux, ton tombeau du combo nayo, nous t'exaltons, nous te louons. Merci éternel et Dieu, on dormait Seigneur, nous étions comme des morts, mais Yahweh, tu as soufflé encore éternel et Dieu des armées dans nos narines Seigneur, tu nous as encore compté parmi les vivants. Seigneur, je viens t'adorer pour la vie de chacun de nous, pour chaque famille Seigneur qui est connectée ce matin, que seul ton nom sois exalté. Je viens t'élever pour maman Rosie. Je viens t'élever pour maman Grace Vie. Je viens t'élever pour famille Moulongo. Je viens t'élever pour maman Nate. Je viens t'élever pour famille Kelende. Pour famille Loté, à nos éternels Dieu des armées. Je viens t'adorer, Seigneur, pour maman Jenny et toute sa famille. Je t'adore, éternel Dieu. Je t'élève, Seigneur. Sois béni pour maman Kenaya. Pour maman La Grâce. Pour papa Joseph. De te bénir pour papa Gabi, pour sœur Jaël. Seigneur, je te bénis pour toute ma famille que tu as protégée. Je te bénis, Seigneur, pour nos assemblées, pour nos ministères, pour les hommes de Dieu. Je te bénis pour nos pays. Je te bénis pour Yolande et toute sa famille. Je te bénis, Seigneur, pour Magui Malobo et toute sa famille. Sois béni, Seigneur. Je te bénis, éternel, pour Susanna. Que seul ton nom soit magnifique. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Merci, Seigneur, pour ce début de week-end. Nous avons foi que tu as préparé de grandes choses et de bonnes choses pour ta seule gloire. Je te bénis, Seigneur, pour la famille, oh Yahweh Tchombani. Merci éternel Dieu, merci les grands dieux, merci les tout-puissants, merci les bons bergers, sois béni, sois exalté, alléluia, Hosanna. Nous nous approchons encore éternel, avec toute humilité au devant de ton trône, nous reconnaissons nos faiblesses, nos fautes, nous reconnaissons ceux qui sont sortis de nos bouches qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, pardonne-nous, pardonne mon frère, pardonne ma sœur éternelle, lave-nous par ton sang. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit de Dieu nous prend en charge. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons non à l'ennemi. Nous disons non à tout ce qu'il a programmé en ces jours contre nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait mis en marche pour nous perturber dira notre programme de cette journée. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons les tendances sataniques et diaboliques. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus, nous frappons d'aveuglement l'armée des ténèbres. Ils ne nous verront pas et ils ne sauront rien faire. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, éternel Dieu des armées, dans ces programmes et fais-nous du bien pour ta seule gloire. Merci, éternel Dieu des armées, pour ton sang, Seigneur, qui nous garde, éternel, qui nous sécurise, éternel, qui sécurise chaque famille. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la compagnie du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, merci pour la révélation de cette journée. Saint-Esprit, merci parce que tu nous disposes pour la bonne marche de ces programmes. Merci pour ta compagnie. Merci Yahweh. Nous te recommandons le début cheminement jusqu'à la fin entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, fais-nous du bien, exauce-nous. Nous t'acclamons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et l'Oméga, le Seigneur puissant, le Dieu qui a commencé. Tu vas cheminer et tu vas achever avec nous, éternel. Tu vas commencer avec nous, Seigneur, ce week-end, ô éternel Dieu Pascal, ô Yahweh, et tu vas achever, Seigneur, et tu vas faire de grandes choses. Sois béni, sois glorifié, ensemble avec mes bien-aimés, nous t'acclamons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les puissants de Jacob, les dieux vivants, les dieux véritables. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, maman Thérèse Mandikoulou. Que le Seigneur vous bénisse, Mandikoulou. Que le Seigneur vous Mandikoulou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, si vous m'écoutez bien, je dis ceci, toute l'équipe de l'intention pour tous vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons, mes bien-aimés, de passer des bons moments à l'intercession pour tous, pour la gloire de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il ne faut pas laisser, mes bien-aimés, que ce programme passe comme ça, sans inviter 2, 3, 4 personnes à prier ensemble avec nous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, deviens partenaire de cette œuvre. Nous attendons ton témoignage. Depuis que le Dieu, là que nous sommes en train de prier, il a fait de grandes choses, tu n'as jamais témoigné. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession pour tous et pour tout le monde, et pour tout le monde, et pour tout le monde. Mes bien-aimés, tu peux aussi témoigner la grandeur et la puissance de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ça va nous bénir et ça nous permettra de prier dans la révélation pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Tout au long de notre programme, likez, partagez, invitez. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Claudette Landou, sois bénie abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Nous voulons adorer les seigneurs. Les seigneurs puissants, les seigneurs véritables, mes bien-aimés. Vous savez, il y a une chanson, mes bien-aimés, que nous allons chanter dans cette adoration, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est moi qui l'a chanté, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, c'est éparpillé partout. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Mes bien-aimés, peut-être vous pouvez vous poser la question, mais cette chanson vient d'où? Cette chanson vient de cette femme qui vous parle. Il a reçu les noms. Aujourd'hui, nous allons aller jusqu'à la fin, mes bien-aimés, et nous allons adorer le Seigneur pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, alléluia, Maranatha, alléluia, le grand Dieu, alléluia, le Seigneur puissant. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia, Hosanna. Induis la ma tête et ma coupe de bordée. Tu induis là ma tête et ma coupe débordée.
coupe débordé. Dis-le ma tête et ma coupe débordé. Dis-le ma tête. Le Dieu capable de oindre nos têtes. Le Dieu capable de remplir, ô Yahweh, nos coupes, Seigneur. De ta puissance qui est comparable à toi, Yahweh. La Bible dit la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait, Seigneur. Yahweh, nous avons beaucoup de défis, Seigneur, au-devant de nous. Nous avons besoin, éternel le Dieu des armées, d'être conduit par toi, d'être dirigé par toi. Éternel, sois béni. Toi qui nous remplis, toi qui nous amènes, Seigneur, à la hauteur, Seigneur. Sois adoré, sois élevé. Alléluia, Hosanna, gloire. Bakolanga mafuta. Le Dieu capable, ô Éternel, de nous oindre de son huile. Alléluia. La Bible dit, je t'ai lavé. Je t'ai purifié. Et je te vois de mon huile sainte. Tu mérites, Yahweh. Tu mérites, Éternel, de t'adorer. Biso bato lokota na salité, Yahweh. Osokola biso. Opakola biso mafuta. Qui est comparable à toi, Seigneur? Le Dieu capable de faire ce grand travail dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Et ma coupe débordée. D'huile ma tête. Et ma coupe débordée. D'huile ma tête. Et le Dieu capable de oindre, Seigneur. Chaque personne, ce matin éternel, est de faire déborder nos coupes qui est comparable à toi. Bakolanga mafuta. Kozelanga Yahweh. Bakolanga mafuta. Hey Yahweh, nous avons tellement de défis, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin d'être boostés par toi, l'homme de Galilée. Alléluia. Par ton huile. Les bonnes. Ma tête, Seigneur, pour que nous puissions avancer, aller loin, Seigneur, ne pas stagner, ne pas tourner en rond, Éternel, nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton huile, que ton nom soit adoré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, alléluia, Hosanna. Les noms au-dessus de tous les noms. Au-dessus. Au-dessus les noms. Au-dessus de tous les noms. Maladie fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Fléchira, ya, ya, le son parlera de l'agneau. Fléchira, ya, le son parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Fléchira, ya, le son parlera de l'agneau. Nous fléchis, Seigneur. Condamné, ô Yahweh. Condamné, Seigneur. Dans l'estéropositivité éternelle.
qui m'a fait triompher vainqueur, qui est comparable à toi, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur. Voilà pourquoi je chante éternel, tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit, éternel Dieu, lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'on crie ton nom, Seigneur, lorsqu'on évoque ton nom, éternel Dieu, il y a des genoux qui fléchissent. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Nous t'acclamons, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Maranatha. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, acclamez, acclamez tous ensemble notre Dieu, le Dieu véritable, le soleil de la justice, le soleil levant. Il est là, l'opérateur des grandes choses. Lorsqu'il s'élève, nos ennemis se dispersent. Le Dieu capable de nous faire monter les escaliers là où nous sommes incapables, mes bien-aimés, d'arriver. Lui, il nous tient par la main et il nous fait monter pour sa seule gloire. Que le nom de Dieu soit béni à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Aimez mes bien-aimés, partagez, invitez beaucoup du monde, mes bien-aimés, à participer, mes bien-aimés, ces beaux moments avec nous pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Shalom, Maman Maggie. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, nous sommes bénis, bénis, avec la présence toujours de Maman Maggie Malobo. Vous ne savez pas la joie que j'ai dans mon cœur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, se voir comme ça, c'est la grâce. Après des tribulations, après des combats, le Seigneur a triomphé. Il nous a gardés en vie. Et nous voici comptés parmi les vivants. Nous pouvons que l'adorer, les louer, l'exalter. Alléluia, Hosanna. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui peuvent encore saluer Maman Maggie Malobo pour dire, sois les bienvenus au milieu de nous. Tu es une bénédiction pour l'intercession pour tous. Et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, Hosanna. Ah, Maman Lotéa nous a dit shalom, Maman Malobo. Ah, gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons lire notre parole. Mes bien-aimés qui va nous introduire, mes bien-aimés, dans notre première partie pour la gloire de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Est-ce que vous m'écoutez bien? Envoyez-moi OK, 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 OK pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles, mes bien-aimés. L'épître de 1 Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 6. Après, nous allons sauter, nous allons lire le verset 8 jusqu'à 10 pour la gloire de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Épître de 1 Jean chapitre 1. Nous lisons le verset 6. La Bible dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je répète encore, la Bible dit ceci, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous descendons, mes bien-aimés, dans le verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir, car nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous avons lu hier dans la parole de Dieu, la Bible nous a dit, mes bien aimés, à la veille, mes bien aimés, de la Pâque, Jésus a fait quelque chose. Il était à table en train de manger. Tout d'un coup, il s'est mis debout. Il est parti chercher une bassine. Il a mis de l'eau. Et il est venu, mes bien-aimés, il a changé même ses vêtements. Et il est venu laver, mes bien-aimés, les pieds des disciples. Et il essuyait, mes bien-aimés, avec ce qu'il avait mis en lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu t'attends à de grandes choses, dans des miracles, mes bien-aimés, dans nos vies, nous devons savoir, mes bien-aimés, nous préparer à recevoir ces miracles. Jésus savait c'était la Pâque. On ne peut pas fêter la Pâque en étant sale. Voilà pourquoi il est parti chercher, mes bien-aimés. C'était la révélation. Il y a même Pierre qui a dit non, parce que lui n'était pas hypocrite. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont hypocrites, ils font semblant, ils n'aiment pas, mais ils font des gens comme s'ils aiment. Non, Pierre n'était pas comme ça. Pierre a dit non, toi tu es roi, tu es chef, ne peux pas faire ça. Jésus a dit, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, mais tu vas les comprendre. Tu ne resteras pas toujours ignorant. Pour ne pas comprendre ce qui se passe maintenant, tu vas comprendre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était une façon, mes bien-aimés, de leur montrer qu'avant la victoire, il faut te préparer pour, mes bien-aimés, vivre la victoire. Ton état aussi, mes bien-aimés, ça peut faire en sorte que tu puisses remporter la victoire. Triompher, mes bien-aimés, ressusciter, qu'il se passe de grandes choses dans ta vie. Et après, il leur a dit, ce que moi je vous ai fait, faites-le aussi les uns les autres. Mes bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça c'est vrai. Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Nous mentons, mes bien-aimés. Nous marchons dans les ténèbres, mes bien-aimés. Nous disons que nous sommes en communion avec Dieu. Nous mentons, mes bien-aimés. Et lorsque nous arrivons, mes bien-aimés, dans les versets 8 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit... Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, mais bien aimé, ça c'est l'autre dimension. Donc cela veut dire une personne qui se dit, ah moi je me suis déjà repenti, moi j'ai connu Dieu, moi je sers Dieu, et moi vraiment je commence avec ce Dieu depuis longtemps. Moi, mais bien aimé, la Bible dit, si nous n'avons pas de péché, nous disons que nous n'avons pas de péché. Cela veut dire nous sommes déjà arrivés. Écoutez ce que la Bible rajoute encore. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et la parole de Dieu n'est point à nous. Sa parole n'est point à nous. Mes bien-aimés, nous allons commencer notre première partie, mes bien-aimés. Là, nous allons dire à Dieu, Seigneur, moi je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché. Seigneur, j'écris, je suis une femme pécheresse.
Il y a des fois des choses que je fais, moi je crois que c'est bien. Mais devant ton trône, Yahweh, ça ne glorifie pas ton nom. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Yahweh, pitié. Aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne nos enfants. Pardonne nos maisons. Pardonne nos familles. Yahweh, pardonne. Monte avec moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer la grâce, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Dis à Dieu, Seigneur, yoke la biso mawa, natongo na lelo di susu toye, tobo komikosa, éternel Dieu, je ne vais pas me séduire moi-même. Éternel, ayez pitié, ayez compassion. Yahweh, yoke la biso mawa, maman monte avec moi, papa monte avec moi. Nous sommes en train d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Yahweh, ayez pitié. Yahweh, compassion et compassion de moi. Éternel, je ne veux pas me séduire moi-même. Seigneur, toi, tu ne m'as jamais. Si moi, je dis, je n'ai pas de péché. Éternel Dieu, je ne péche point. Seigneur, je te trouve que tu es menteur. Oh Yahweh, toi, tu ne mens pas. Toi, tu dis que la vérité. Seigneur, ayez pitié. Ayez compassion de nous. Ce matin, éternel, nous levons, Seigneur, au-devant de ton trône pour te dire, Seigneur, pardonne Yahweh. Pardonne éternel, pardonne Yahweh, tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom, tout ce que nos familles ont fait qui n'a pas glorifié ton nom, qui donne raison à l'ennemi, qui donne raison à l'ennemi, au diable Seigneur, de nous détenir, de nous faire marcher, oh Yahweh, en reculant Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de Ketchatumbani, aie pitié, oh Yahweh, aie pitié Seigneur, de Papa Hubert, aie pitié éternel Dieu de chacun de nous, Yahweh, debout ce matin, en train de prier. Aie pitié de nos églises, aie pitié de nos assemblées, Yahweh, okela biso mawa, tozo senga ngolu na yo, tozo senga grâce na yo, tozo senga miséricorde na yo, yokela biso mawa, yokela ngamawa, éternel, ayez pitié Seigneur, ayez pitié des hommes de Dieu, ayez pitié de nos églises, ayez pitié de nos assemblées, ayez pitié de mon pays. Ayez pitié, oh Yahweh. Ayez pitié de mes enfants. Éternel Dieu des amis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes en train de nous séduire. Même lorsqu'on se croit sainte, lorsqu'on vit dans notre sainteté absolue, mais lorsque tu nous regardes, éternel Dieu des amis, avec cet corps éternel Dieu, oh Yahweh, tu nous trouves, Seigneur, que à nous il y a péché. Yahweh nanya koko sayo, Seigneur, ayez pitié de moi, ayez pitié de Maman Thérèse, ayez pitié, oh Yahweh, ayez pitié de Maman Lolo, ayez pitié de Natimboyaye, ayez pitié de Maman Minata, ayez pitié de Maman La Grâce, ayez pitié de Papa Joseph. Yahweh, Yahweh, le monde ont déclaré, les hommes ont dit, Seigneur, le vendredi là, c'est le vendredi saint. Éternel Dieu des armées, eh Yahweh, ayez pitié de nous. Yo que la biso mawa, tozo senga ngolu na yo, tozo senga grâce na yo, yo kamawa Seigneur, yo que la mabota na biso mawa. Aie pitié de chaque famille de l'intercession pour tous. Aie pitié de Suzanne Kubenda. Aie pitié éternel Dieu, nous te demandons Seigneur, pardonne Seigneur pour tout ce que nos enfants ont fait. Seigneur pardonne pour tout ce que nos maris ont fait. Seigneur pardonne pour tout ce que la femme éternel Dieu de mes frères, oh Yahweh, ils ont fait. Seigneur, pardonne. Pardonne toute ma famille. Yahweh, si je réalise jusqu'à ce jour, dans ma famille, il y a des hommes et des femmes qui ne te connaissaient pas. Oh Yahweh, ayez pitié, ayez compassion, Seigneur. Ayez pitié, Yahweh. Si je vois ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe dans ce monde, éternel, comment puis-je, éternel, le Dieu des armées, dire qu'il n'y a point de péché à nous? Éternel, ayez pitié, Seigneur. En commençant par l'aîné, jusqu'au dernier Seigneur de ma famille, Yahweh, ayez pitié de nous, ayez pitié de Pinginangi, Yahweh, ayez pitié de Maman Neema Grâce, Yahweh, ayez pitié de Maman Victoire Makiese, Yahweh, ayez pitié de Yolande, ayez pitié de ses enfants, ayez pitié de nos familles, ayez pitié, Seigneur, nous crions à toi, nous t'implorons, Seigneur, nous t'appelons éternel, ayez pitié, Yahweh, des hommes de Dieu, Seigneur, pitié. Pitié éternelle, Dieu des armées.
Yahweh pitié, yoke la biso mawa, yoke la biso mawa, yoka mawa, et pitié de ma mère génie, et pitié Seigneur de l'Afrique centrale, ayez pitié éternel Dieu des armées, oh Yahweh, ayez pitié Seigneur de toute l'Afrique tout entier, ayez pitié de l'Europe d'Asie, ayez pitié d'Amérique éternel Dieu des armées, Yahweh pitié, et pitié de maman Bela et Kaba et toute sa famille, ayez pitié Seigneur. Yo que la biso mawa, yo que la biso mawa, yo que la biso mama. Comme nous avons fait, Seigneur, nos parents ne connaissaient pas ce qu'on faisait. Oh Yahweh, il y avait de foi, Seigneur. Si je réalise les jours où j'ai avorté, ni ma mère ni mon père ne savaient. Oh Yahweh, j'avais de sang éternel Dieu qui coulait de mes mains. Je suis retourné dans cette maison. J'étais venu, Seigneur, à cet temps-là, suyer toute ma maison éternel Dieu des amis. Yahweh, aie pitié et aie compassion, Seigneur. Nous te crions, Yahweh, aie pitié de nos enfants, de tous ceux qui font éternel Dieu, ceux qui ne glorifient pas ton nom, ceux qui amènent la mort. Yahweh, si je lis dans ta parole, Seigneur, je réalise, Seigneur, il y a un jour, Yahweh, il y a un jour, il y a un jour où Moïse est parti, oh Yahweh, à cause de ses enfants, à cause de ses enfants. Yahweh, pardonne nos enfants, Yahweh, pardonne nos enfants. Si je réalise qu'Élie, oh Yahweh, il était mort, le sacrificateur, à cause de ses enfants, à cause de ce que les enfants faisaient. Yahweh, yoke la bisomawa, yoke la banana bisomawa, yoke la mabota na bisomawa. Il y a deux fois, nous ne voyons pas ce que nos enfants font. Éternel Dieu, lorsque le voit, on croit qu'éternel, ils sont corrects. Mais éternel Dieu, il faut des choses, Yahweh, qui amènent la mort. Qui peut prétendre, éternel Dieu, dire, Seigneur, qu'il n'y a point de péché? Personne, Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nos familles, ayez pitié, Yahweh, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Yahweh, yo que la biso ma voix, atana katia lingomba, atana katia biéglise, todo sala makambu. Ezo sepeli sayote, yo que la biso mawa, yo kamawa Seigneur, tozo sengangolu na yo, yo que la basel nanzambe mawa. Oh Yahweh, nous sommes comme David éternel Dieu. Oh Yahweh, ce matin Seigneur, lorsque je méditais ta parole, éternel Dieu des armées, la Bible dit, Moïse, oh Yahweh, a fait des choses qui n'a pas glorifié ton nom. Oh Yahweh, il s'est mis en colère. David Seigneur a fait des choses qui n'a pas glorifié ton nom. Il est parti faire les dénombrements, éternel Dieu. La Bible dit, ça n'a pas plu à ton trône, Yahweh. Il y a beaucoup du monde qui ont été tués, qui ont tombé, Seigneur. Yahweh, aie pitié, aie pitié. Mais maintenant, homme de Dieu, nous faisons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, tout homme de Dieu, dans le monde entier, Yahweh, Yokamawa, Yokamawa, Tozo Sengangolu, Tozo Sengagrasse, Tozo Sengagrasse, Yokamawa, Naba prophète, Yokamawa, Yesu, Naba disciple, Naba messager, Yokamawa, Naba Obaza consacré, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Yahweh, ayez pitié, Seigneur, oh Yahweh, lorsque je ouvre mes yeux, et Yahweh, j'attends Seigneur, il y a des fois les choses qui sortent dans nos bouches, et nous disons les hommes de Dieu, oh Yahweh, ça détruit, oh Yahweh, au lieu de construire, ça mène la mort au milieu des enfants de Dieu. Yahweh, Yokamawa, 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 nous avons transformé éternel, la chair éternelle Dieu, là où il faut faire sortir la parole de vie, ça devient éternel. Pour les jugements, éternel Dieu, aie pitié, aie compassion, Seigneur. Je crie à toi, je t'implore, éternel. Je viens, Seigneur, répandre mon cœur au devant de ton trône. Yoke mawa, yoke mawa, Seigneur. Eh Yahweh, ena etumbelo, et comme esika ya kofinga, et comme esika ya kochola, esika ya ba guerre, esika ba règlement des comptes. Ah Yahweh, yoke mawa, yoke mawa, yoke mawa, yoke mawa. À ce temps-là, à cause de David, il y a du monde, il y a son peuple qui sont tombés comme des mouches. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez compassion, et Seigneur, ayez pitié, ayez compassion.
compassion, n'ayez compassion pour les âmes qui sont mortes spirituellement à cause de nous. Yahweh Yokamawa, Yokamawa Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible continue mes bien-aimés. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés tels que nous avons fait, Ketia Chombani, tels que nous l'avons fait, Maman Rosimbombo, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il est juste et fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité, après le pardon, il doit te purifier, il doit me purifier, mes bien-aimés, de tout ce que nous avons fait. Parce que le péché, mes bien-aimés, laisse des traces, laisse des poids, mes bien-aimés, qui nous empêchent d'évoluer. Et il y a des fois, mes bien-aimés, nous tournons en rond. Il y a des fois, mes bien-aimés, nous n'arrivons plus à marcher. Mes bien-aimés, au lieu de marcher, nous reculons. Mes bien-aimés, nous donnons raison à l'ennemi de nous accabler. Mes bien-aimés, de nous condamner à cause du péché. Voilà pourquoi Dieu, après avoir pardonné, il ne s'arrête pas là. Il dit, il est juste et fidèle, mes bien-aimés, de nous pardonner. Après, de nous purifier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix. Mes bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Purifie ma maison, purifie mes enfants. Purifie mon pays, purifie nos assemblées. Purifie le monde entier. Purifie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Monte, maman, monte. Papa, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Prie avec moi ce matin au nom de Jésus-Christ. Monte maman Bela et Kaba, Tozo bon de l'Anzambe au nom de Jésus. Éternel, purifie-moi, purifie mes enfants, purifie mon mari, purifie toute ma famille, à commencer par l'aîné jusqu'au dernier de ma famille. Éternel, purifie mes petits-fils. Éternel, purifie Yahweh, purifie, purifie Éternel Dieu, purifie Yahweh, mes neveux, mes nièces. Yahweh, purifie Éternel. Purifie Yahweh, nos églises, nos assemblées. Yahweh, purifie. Purifie chaque famille de l'intercession pour tous. Purifie Éternel. Purifie Yahweh. Purifie Seigneur. Purifie famille Malobo. Purifie Éternel Dieu. Purifie Odia et toute sa famille. Yahweh, purifie. Purifie Éternel. Purifie Éternel Dieu. Lave-nous, Seigneur. Lave mon pays. Lave ma nation. Lave Éternel Dieu, toutes les familles qui sont connectées, lave nos églises, lave nos assemblées. Nous avons besoin d'être lavés par ton sang, Seigneur. Nous avons besoin d'être purifiés par ton sang éternel. Lave-nous, Yahweh. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Éternel Dieu. Purifie-nous, Yahweh. Purifie nos enfants. Purifie Éternel. Purifie mon pays. Nous avons besoin d'être lavés, d'être lavés. Purifie famille Moulongo. Purifie Éternel Dieu, purifie ma mère Génie, purifie famille Mandikoulou, purifie Éternel Dieu des armées, purifie Seigneur, purifie Nat Mboyaï et toute sa famille, purifie son mari, purifie ses enfants, purifie Éternel Dieu, purifie Yahweh, maman Nate et toute sa famille, nous crions à toi, purifie Éternel, nous te crions, purifie maman Kiesse, purifie Seigneur, purifie oh Yahweh, purifie Seigneur et toutes nos familles, Éternel Dieu des amis, tous apostana yo, makila na au Seigneur, et purifie biso, et sanctifie biso, qu'il soit de loin, qu'il soit de près, Éternel purifie, purifie Seigneur, ce matin nous te crions, purifie cette maison qui nous a reçu, qui nous donne de l'eau à boire, Éternel purifie, Seigneur purifie, purifie Éternel, purifie Yahweh, nous avons besoin d'être purifiés, purifie maman Lolo, purifie famille Ndombasi, purifie Éternel, purifie Yahweh, nous nous levons Seigneur, nous présentons nos familles, Éternel Dieu des armées, nous venons crier, nous venons demander Seigneur cette purification pour tout membre Éternel Dieu de nos familles. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être purifiés et Yahweh de tout péché, des crimes Yahweh, des crimes Seigneur, des abominations, des péchés Éternel Dieu des armées, toutes sortes Seigneur, des iniquités et Yahweh purifie-nous de nos rébellions.
lions. Et Yahweh, purifie-nous éternel, purifie-nous Seigneur, purifie-nous Yahweh, tozo bele la yo, tozo bele la makila na yo, tozo bele la makila na yo Seigneur, et sokola Yahweh, sokola biso Seigneur, lave-nous par ton sang, tel que tu l'as fait ces jours-là, à la veille Seigneur, de la Pâque éternelle Dieu, tu l'as fait Seigneur, tu l'as fait Yahweh, tu as lavé Seigneur, les pieds des disciples, Yahweh sokola biso, sokola banana biso, sokola mabota la biso, sokola banda ko la biso, sokola misala na biso, sokola biso, sokola mangomba na biso, Yahweh sokola, Yahweh sokola, Yahweh petola, Yahweh sanctifié, sanctifié biso, purifié biso Seigneur, justifié biso, na makila na yo, Saint-Esprit, alléluia, alléluia, par ton sang éternel, par ton sang Yahweh, par ton sang éternel, par ton sang Seigneur, justifie-nous, justifie-nous, justifie mon frère, justifie ma sœur, justifie mes bien-aimés, justifie chaque famille, et cela au nom de Jésus, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, hosanna. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le tout-puissant, mes bien-aimés, acclame. Mes bien-aimés, quelle grâce d'être lavé, purifié par lui seul. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si tu comprends. Osokolaranayo, mais tant que nous avons Sokolakabiso, mes bien-aimés, c'est pour les miracles. Acclame le Seigneur. Moi, j'ai déjà vu les hommes, mes bien-aimés, ils avaient des rendez-vous, ils se sont lavés, bien habillés. Arrivés là-bas, mes bien-aimés, devant ces bureaux, on a chassé ces hommes. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas lavés spirituellement. Mais lorsque Dieu nous lave, mes bien-aimés, c'est pour des grandes choses. Acclamez le Seigneur, alléluia. Il est le roi des rois. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Ouvre ta Bible là où tu es, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Invitez 2, 3, 4 personnes, mes bien-aimés, à se joindre à nous pour la gloire de Jésus. Dans le livre de Daniel, mes bien-aimés, chapitre 5, verset 12, pour la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut te distinguer, mes bien-aimés, sur cette terre, là où tu évolues, là où tu travailles, mes bien-aimés, même dans nos assemblées, qu'est-ce qui peut te distinguer? Mes bien-aimés, tu n'es pas comme tout le monde. Les Daniel vivaient, mes bien-aimés, premièrement en captivité. Ils étaient vendus, mes bien-aimés, dans leur lignée, d'où ils venaient, mes bien-aimés. Ils se sont retrouvés à Babylone, au milieu des hommes méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur, des criminels, des sorciers, des satanistes, mes bien-aimés, des magiciens. Mais ces hommes, ils étaient distingués. La Bible dit ceci, il y avait des choses, mes bien-aimés, qui arrivaient là où ils évoluaient. C'était des énigmes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était des questions difficiles à résoudre. Dans nos vies aussi, mes bien-aimés, nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Devant, mes bien-aimés, des choses difficiles.
des maladies compliquées. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on cherchait, on a appelé des magiciens, mes bien-aimés, des astrologues. Ils n'ont pas pu. Il fallait un homme. Il fallait un homme. Malgré qu'on avait changé son nom, ah, quelle que soit l'identité que l'ennemi peut te coller pour commencer à te manipuler. Mes bien-aimés, il y a d'autres personnes qui sont, mes bien-aimés, immanipulables. Attaque indoki telemi. Mais bien aimé. Attaque Satan na ma pingana e nyonso e batelemi. Mais bien aimé ne sauront jamais. La Bible dit allez chercher Daniel. Celui-là il a un esprit, mais pas n'importe quel esprit, esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit de Dieu. On n'a pas dit aller chercher diplômé, docteur. Non, la Bible dit il a un esprit. Mais bien aimé, on trouvait à Daniel un esprit. Un esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Tu veux être distingué, mes bien aimés? C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que tu sois distingué des autres. Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de faire des choses, ça ne sera pas comme tout le monde. La Bible dit appelez-lui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ta vie va marcher. Il y a des équations. Il n'y a que toi pour résoudre ces équations. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Dieu interdit qu'on te rejette. Dieu interdit que tu sois, mes bien-aimés, caché quelque part. Même si on te cache, mes bien-aimés, ils seront obligés d'aller te chercher. Ils vont faire ce travail, mes bien-aimés. Même si tu avais enterré, mes bien-aimés, ils vont chercher à te déterrer. Parce que c'est toi qui détiens la solution, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ah, yangwana nandimaka. Ataba bombi mga bako fongo langai. Je m'appelle la solution à cause de l'Esprit de Dieu. Ah, je croyais que quelqu'un allait m'envoyer. Amen, 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 amen. Qu'il se passe quelque chose dans ta vie. La Bible dit on est parti chercher Daniel, esclave, prisonnier. Mais il a la solution. Et il est venu, mes bien-aimés. Il a bien expliqué. Voilà pourquoi il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut demander le Saint-Esprit. Il faut chaque fois, mes bien-aimés, t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma vie. On ne t'appelle pas, on va t'appeler. Prends le contrôle de ma vie. Mais bien, mais si tu as le Saint-Esprit, ando benga benga yo. Oh yakawa. Toza la ba problème. Yakawa. Yako silisa. Toza la ba question. Mais bien, mais dans le Seigneur, si tu dis amen, on va t'appeler. Hein? On va t'appeler. Mais bien, mais dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur qui a animé la vie de Daniel et ses compagnons, le Saint-Esprit de Dieu, dans tous les domaines de ta vie. Élevons nos voix, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Maman, papa, prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être distingué. J'ai besoin de toi pour être appelé de gauche à droite pour apporter la solution. Oh, ce monde a besoin, Seigneur, de la solution. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de solutions. Mais Saint-Esprit en moi, tu dois apporter la solution. Ce n'était pas Daniel, mais c'était l'Esprit qui était en lui, qui donnait des solutions. Dans ma famille, nous avons besoin de solutions. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens dans les familles. Viens dans des familles. Viens dans des foyers. Viens dans ce monde. Viens dans nos églises. Oui, même dans nos églises, nous nous retrouvons devant des énigmes. Nous nous retrouvons devant des questions.
Oh Yahweh, difficile. Nous avons besoin de ton esprit où les pasteurs n'arrivent pas à résoudre. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton église. Prie pour ton encadreur. Nous crions à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nos enfants, pour nos maris, pour nos maisons, pour tout ce que nous sommes en train de faire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour Ndombasi. Nous avons besoin de toi pour Makiese. Nous avons besoin de toi pour Maman la Grâce, pour Maman Victoire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour Chombani, pour Natimboyaye, pour Yalili, pour Yajose, pour Yakadi. Nous avons besoin de toi pour Yakabongo, pour Yandaya, pour Kamwanya, pour Mujinga, pour Eliane. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour mes neveux, pour mes nièces. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es tout pour ma famille. Tu es tout pour cette maison. Nous avons besoin de toi. 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 Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nos églises, pour nos assemblées. Nous avons besoin de toi pour mon pays Congo. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dans tous les niveaux, les rois cherchaient la solution. Aujourd'hui, Yahweh, les rois cherchaient l'explication. Aujourd'hui, nos rois, aujourd'hui, nos chefs, aujourd'hui, nos présidents, aujourd'hui, nos dirigeants, ils cherchent des solutions. Oh, nous avons besoin de toi. 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 Dans ce week-end pascal, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas seulement nous préparer dans la chair, à préparer les habits, à préparer, oh Yahweh, qu'est-ce que nous allons porter, qu'est-ce que nous allons manger, mais nous voulons les préparer spirituellement. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 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 Dans le monde entier, nous avons besoin de toi. Oh Rabashanda Barashike Santa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour mes enfants, pour mes petits-fils. Nous avons besoin de toi. Pour la libota nanga, nazala posa moli momo santo. Pour na baleki nanga, nazala posa moli momo santo. Pour chaque famille, dans l'intention pour tous, j'ai besoin du Saint-Esprit pour nos ministères, pour nos assemblées. Oh Yahweh, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, 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 l'Esprit supérieur, l'Esprit supérieur. Maman Belaïkab, Maman Nehema a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Si le monde a besoin du Saint-Esprit, c'est ce moment précis. C'est ce moment précis. C'est ce moment précis où rien ne se cache encore. Rien ne se cache encore. Lorsqu'on grandissait, les choses du ténèbre se cachaient. Ça se faisait, oh Yahweh, là où les gens ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas écouter. Mais aujourd'hui, c'est à l'œil nu. Aujourd'hui, c'est à l'œil nu. C'est ça le moment qu'il faut pour que le Saint-Esprit dirige chaque personne, pour que nous ne tombions pas entre les mains de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia, Hosanna. Maman Grâce a besoin de toi. Maman Marthe a besoin de toi. Maman Rosimbombo a besoin de toi. Maman Moussouamba Dorcas a besoin de toi. Oh, Susanna Kumela a besoin de toi. Oh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Yolanda a besoin de toi. Ses enfants ont besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Maman Maggie a besoin de toi. Ses enfants ont besoin de toi. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Mon pays Congo a besoin de toi. Alléluia, Hosanna. Nous t'acclamons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci les rois des rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna. Mes bien-aimés dans le Seigneur, acclamez les rois des rois. Acclamez les tout-puissants. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclame, 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 acclame. Hein.
Acclamez, mes bien-aimés, poussez le cri de triomphe devant le trône de Dieu. Alléluia. Faisons pour ça. Dikele, kele. Yelelelelelelele. Ozanzambe. Ozanzambe. Okotikalanzambe. Mon côté à Kokani na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom Mama Odia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donnez la vie dans tout ce que nous sommes en train de faire, mes bien-aimés. Et le Seigneur sera glorifié au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes toujours dans notre thème, mes bien-aimés. Pourquoi nous marchons à reculons, mes bien-aimés? Nous sommes en train de faire, mes bien-aimés, beaucoup d'efforts, mais nous reculons. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il y a des obstacles, mes bien-aimés, au-devant de nous et derrière nous, il y a des poursuites. Comme notre maman nous a témoigné, mes bien-aimés, lorsque je reste, mes bien-aimés, il n'y a pas un jour où ça peut passer sans, mes bien-aimés, réfléchir, mes bien-aimés, sur les témoignages de notre maman de l'Afrique du Sud, mes bien-aimés, qui nous a bénis jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés. Je suis en train de digérer, mes bien-aimés, le témoignage là. Peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est une yaya que je connais bien. Et lorsque elle nous parle des choses qu'elle nous a parlé, mes bien-aimés, je comprends beaucoup de choses qui s'est passé dans sa vie, mes bien-aimés. Et je médite. Je dis, Seigneur, il y a des obstacles qui nous empêche à marcher, aller de l'avant. C'est comme si tu as bu de l'alcool, tu ne vois pas les chemins. Mais les années passent. Au lieu d'avancer, nous reculons. Nous avons mis nos enfants au monde, mes bien-aimés. Nous vivons la même chose. Il y a des fois, mes bien-aimés, lorsque nous regardons la vie de nos enfants, on se voit, mes bien-aimés, à travers nos enfants. Ça n'avance pas chez toi. Ça n'avance pas chez les enfants. Pitié. Pourquoi tout ça, mes bien-aimés? Il n'y a pas de fumée sans feu. Même si on ne voit pas le feu, c'est caché quelque part. Mais bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ce monde, mes bien aimés. Ça peut mieux nous enseigner pour que nous comprenions, mes bien aimés, ce que nous sommes en train de partager. Là où il y a, mes bien aimés, les volcans, mes bien aimés, qui éclatent, mes bien aimés, qui explosent. Avant cela, il y a toujours les fumées. Mais vous ne voyez pas, mes bien aimés, qu'est-ce qui se passe en bas. Mais vous voyez seulement les fumées. Et jusqu'à ce que le jour où ça va exploser, ça sera terrible. Ça veut dire, si nous vivons ces choses, mes bien-aimés, si nous vivons cette vie, mes bien-aimés, nous marchons, au lieu d'aller de l'avant, mes bien-aimés, nous reculons, mes bien-aimés, il y a quelque chose. Les enfants de Noé ont bien grandi avec leur père. Ils ont été protégés, mes bien-aimés, lorsque Dieu a tué le monde, mes bien-aimés, à travers mes bien-aimés, déluge. Et ils étaient sauvés. Ils sont sortis, mes bien-aimés. La Bible dit ceci. Dieu bénit Noé et ses enfants. La Bible n'a pas dit seulement Dieu a béni Noé. Non, béni Noé et ses enfants. Pour dire cette famille était bénie. Mais un jour, mes bien-aimés, la malédiction est entrée à cause de quelque chose. Le papa est resté né. Il y a les catégories des enfants, mes bien-aimés. L'aîné qui était maudit avec toute sa descendance. Et il y avait catégorie des enfants, mes bien-aimés, qui ont dit, on ne peut pas voir la nudité de notre papa. Mes bien-aimés,
C'est ça même la clé, mes bien-aimés, de notre thème. La Bible dit, ils ont dit, nous allons marcher, mais en reculant. Ils ont commencé à marcher, bah, ils ont estimé. Eh oui, tu marches, et tu fais le commerce, tu travailles, tu fais beaucoup de choses, mes bien-aimés. Tu montes, mes bien-aimés, des entreprises, tu fais beaucoup de choses, mais tu marches en reculant. Mes bien-aimés, Mawatro. Dis-moi amen si vous m'écoutez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre maman a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est monté dans les avions, il est parti à Dubaï, il est parti, mes bien-aimés, à Dubaï, il est parti à gauche, il est parti à droite, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin, mes bien-aimés, il a fait le conteneur, il a envoyé, mes bien-aimés, ma chère, qu'il a. On a dit, bon, maintenant là, comme tu n'écoutes pas, on te frappe maintenant de cette maladie, alors tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Allez vendre. Ça fait plus d'une année, les marchandises bloquées quelque part. Mais bien-aimé, dans une année, mais bien-aimé, tu peux progresser. Mais il est bloqué. Mais l'année a passé. Tu marches avec il a, mes bien-aimés. Nous avons lu, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu. Nous avons vu, mes bien-aimés, les raisons pour lesquelles, mes bien-aimés, nous marchons, mes bien-aimés, nous sommes en train de reculer. Il y a l'obstacle, mes bien-aimés, devant nous. Il y a, mes bien-aimés, les poursuites derrière nous. Et nous sommes en train, mes bien-aimés, de prier sur ça. Nous sommes en train de détruire, mes bien-aimés. Car la Bible dit, ôtez l'obstacle sur le chemin de mon peuple. Isaïe 57, verset 14. L'obstacle doit être enlevé, mes bien-aimés, sur la route, sur le chemin de mon peuple. Il y a beaucoup d'obstacles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si on n'enlève pas l'obstacle, mes bien-aimés, ça sera difficile. Et bien aimé dans le Seigneur, de progresser et d'aller loin. Maman dit c'est ça. Frayer, frayer. La Bible dit ceci. Mais bien aimé, envoyez-moi amen. La Bible dit dans Genèse 49, mais bien aimé, la Bible nous montre, mais bien aimé, qu'est-ce qui nous fait reculer? La Bible dit il y a des gens, il y a les types de gens, mais bien aimé, comme des danes, des serpents sur les chemins. Ils sont capables, mes bien-aimés, de mordre, mes bien-aimés, les talons des chevals. Et c'est là où tu tombes. Mes bien-aimés, lorsqu'on dit cheval, mes bien-aimés, nous avons pris cheval, mes bien-aimés, c'est la chose là qu'il faut, mes bien-aimés, pour te faire avancer. Parce que les cavaliers montent toujours, mes bien-aimés, pour avancer. Sur les chevaux et les chevaux. Eh, mes bien-aimés, les danes, ça veut dire les serpents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour arrêter cet homme, pour faire tomber cet homme, moi je vais me placer sur son chemin. Et je vais piquer seulement. Je vais toucher les talons de cheval. Il va tomber. Il va tomber à la renverse. Alors il s'arrête là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons lu, mes bien-aimés, dans Ecclésiaste 10, chapitre 10, verset 11. La Bible dit ceci, mes bien-aimés, si le serpent, il est en train de mordre, mes bien-aimés, ça veut dire il est en train de nous empêcher, mes bien-aimés, d'avancer avec Dieu. C'est faute, mes bien-aimés, des enchanteurs. Ça veut dire, moi je dis ceci, c'est faute, mes bien-aimés, de la personne qui ne prend pas soin de ces serpents-là. Qui les laisse vivre, il va commencer à faire tomber, mes bien-aimés. Même les gens qui sont déjà montés, mes bien-aimés,
Au-dessus, mes bien-aimés, ils sont déjà élevés. Oh, comme il tungi certains. Il y a les autres qui sont en haut là-bas, ils descendent, mes bien-aimés, plus bas. Moi, j'ai déjà connu mes bien-aimés. Je connais mes bien-aimés. Et nous combattons pour ça. Nous sommes en train de prier pour ça. J'ai déjà vu mes bien-aimés. Les gens qui priaient le Seigneur. Les gens qui servaient le Seigneur. Bah, ceux qui païens, mes bien-aimés. Ils étaient déjà montés, mes bien-aimés, dans les chevaux. Ils avançaient avec Dieu. Mais lorsque mes bien-aimés, tu ne prends pas soin, mes bien-aimés, des vipères, mes bien-aimés. La vipère là, qui est sur ton chemin, mes bien-aimés. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Jusqu'à ce que tu vas tomber à la renverse. Lorsqu'on dit tu tombes à la renverse, mais bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire tu tombes comme mouteux comme nassé, makolo comme ilikolo. Mais bien-aimé, tu ne tombes pas dans des positions normales, mais tu tombes à la renverse. Ça veut dire, mais bien-aimé, ozo kouya, mais bien-aimé, comme il tombe la moutou nassé, makolo likolo. Ça veut dire tout a chamboulé dans ta vie. Ça veut dire ce qui peuvent être en haut, ça descend en bas. Ce qui peuvent être en bas, mais bien-aimé, ça remonte en haut. La vie devient compliquée. Mes bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dit si le serpent il est en train de mordre, parce que Moutou a joué lié décision tête. Aujourd'hui, décision tête, mes bien-aimés. Prends la décision. Mes bien-aimés, nous sommes chrétiens pour ça. Nous sommes chrétiens, mes bien-aimés, ce n'est pas pour boire et manger, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes chrétiens, mes bien-aimés, pour commencer à interdire les serpents qui fait descendre, mes bien-aimés, des personnes. Moutouazala qui l'icolo a kiti, moutouazala qui kokenda telemi, mes bien-aimés, nous sommes chrétiens pour ça. Voilà pourquoi lorsque Jésus envoyait ses disciples, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Mes bien-aimés, il commence par les serpents parce que c'est lui le chef. C'est lui qui contrôle ce monde. C'est lui qui domine, mes bien-aimés. Et nous avons vu, mes bien-aimés, dans Apocalypse, mes bien-aimés, 12. Apocalypse, chapitre 12, mes bien-aimés, le verset 15. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible dit ceci, les serpents, les dragons, mes bien-aimés, il vomissait l'eau. Il poursuivrait la femme. Pour le faire reculer, pour le ramener, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je vous ai dit, mes bien-aimés. Si tu n'arrives pas à avancer, derrière toi, il y a les poursuites. Et devant toi, il y a les obstacles. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, cette femme, mes bien-aimés, Dieu est venu les secourir. Cette femme, c'est toi, cette femme, c'est moi, cette femme, c'est tes enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il ne les sert pas. Il vomissait de l'eau, mes bien-aimés, pour ramener cette femme, mes bien-aimés, jusqu'à dans les fleuves. Au cas mon canini, mes bien-aimés, nous vivons autre chose, mais lorsque nous dormons, nous voyons aussi autre chose. Il y a des fois, tu dors dans ta maison, mais tu te retrouves dans tes songes, mais bien, mais tu te retrouves dans des endroits où tu n'as jamais mis les pieds. Mais qui t'a ramené là-bas? Qui t'a fait reculer jusque là-bas? Mais bien, mais dans le Seigneur, des serpents. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons pris la décision de nous mettre debout pour commencer à combattre, mes bien-aimés, les serpents. Les serpents. Les serpents. Qui nous poursuivent partout. Qui nous injectent des venins. Qui nous empêchent d'évoluer. Qui nous empêchent de marcher même avec Dieu. C'est les serpents là que nous avons pris la résolution dans cette semaine pascale, mes bien-aimés dans le Seigneur, de combattre ces serpents là, mes bien-aimés. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, mes bien-aimés. Et nous allons rentrer dans notre combat. Dans notre combat. Alléluia, Hosanna. Dis-moi Amen, mes bien-aimés. Partagez, invitez bon nombre de personnes à se joindre à nous, à prier ensemble avec nous au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 30.
chapitre 30, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, sentence des bêtes de midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant? Ils portent à dos d'ânes leurs richesses et sur leurs bosses des chameaux leurs trésors à un peuple qui ne leur sera point utile. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a la vipère, mes bien-aimés, il y a des dragons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, ils ne sont pas mains vides. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, ils portent, mes bien-aimés, les richesses. Pourquoi tu ne dois pas reculer? La Bible dit sentence sur les bêtes de midi. Mes bien-aimés, dans ces contrées-là où il y avait des vipères, mes bien-aimés, pour comprendre qu'il y avait des vipères, mes bien-aimés, il y avait des dragons volants, mes bien-aimés, on portait des richesses déjà, mes bien-aimés, les trésors déjà, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans ces contrées, mes bien-aimés, il y avait des détresses, il y avait des angoisses. Il y avait des angoisses. Mais bien-aimé, si tu ne prends pas soin, mes bien-aimés, de la vipère là, mes bien-aimés, qui te poursuit, qui est sur ton chemin, mes bien-aimés, tu vas vivre l'angoisse, tu vas vivre des détresses, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous vivons des angoisses, nous vivons des détresses. Au bandit du Kambou, aux Osalakalikil, vous savez, lorsqu'on vend, mes bien-aimés, des marchandises, on fait déjà nos calculs, hein. Tu sais, j'ai acheté comme ça, je veux vendre comme ça, j'aurai des bénéfices comme ça. Mais bien aimé, ça le coup la fartir à Bindo. Vous connaissez ça? Où tu as misé tout l'argent. Après un jour, je ne sais pas par quelle sorcellerie, mes bien-aimés, tu prends, mes bien-aimés, là où tu avais caché la farture de Bindo, tu laves l'habit, ça disparaît comme ça. Les maisons ont disparu, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui sont mortes. Tu attends les bénéfices ne viennent pas. Il n'y a que les angoisses, il n'y a que des détresses. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tu vas t'élever, mes bien-aimés, sur ton chemin, mes bien-aimés. Libère ton chemin. Parce que tu dois, oui, Susanna, nous devons avancer avec ces dieux. Nos enfants doivent avancer avec ces dieux. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, tu vas t'élever au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu pries, il faut avoir des visions. Tu te retrouves sur ton chemin. Tu vois maintenant, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des vipères, il y a des dragons, il y a la sorcellerie. Commence maintenant à combattre. Prends soin au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Lève-toi, maman. Lève-toi, papa. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Nous montons, maman. Au nom de Jésus, monte avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Libérez Zela na yo, na kombo na Yesu. Banda ko détruit. Banda ko nyata. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui encore, tu dois détruire. Mais bien aimé, aujourd'hui encore, tu dois détruire, tu dois paralyser, tu dois anéantir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, monte avec moi. Au nom de Jésus, maman prie, papa prie. Au nom de Jésus-Christ, olobi nazo bondela, nazo nyata, nazo katamutu, yanyo kanyanso. Au nom de Jésus-Christ, o atelemana libota. Au nom de Jésus-Christ, o azongi sakabana sima, bala basi sima, bala mibali sima. Au nom de Jésus-Christ, Oya Kanga Kabanzela, au nom de Jésus-Christ, toi les serpents, toi les dragons qui transportent les richesses, au nom de Jésus-Christ, qui amène des détresses, qui amène des détresses, qui amène l'angoisse, au nom de Jésus-Christ, sois détruit, au nom de Jésus-Christ, allez monte maman, allez monte papa, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se pointent sur ton chemin, ils s'opposent sur ta marche, mes bien-aimés, fais-les, mes bien-aimés, sortir de ton chemin, de ta route, au nom de Jésus-Christ, allez, monte avec moi, au nom de Jésus, maman Bondela, papa Bondela, Tozo Bondela, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu.
Dozo Bondela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bien, maman. Prie bien, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au lobby dans le tambour. Au lobby dans le loup. Au lobby dans le bondela. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit. Dan, toi qui s'est pointé sur mon chemin. Que tu sois une femme. Que tu sois un homme. Au nom de Jésus-Christ. Sur le chemin de mes enfants. Au nom de Jésus. Sur le chemin des études de mes enfants. Au nom de Jésus. Que ta tête soit coupée au nom de Jésus, 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 allez monter maman, allez monter papa, tozo bondela, tozo bondela, tozo bondela, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui là, Yodan, Nanzela Nanga, Dan Nanzela Nanga, Yonde Sorcellerie, Nanzela Nanga, Oyozon Saranga Sima, au nom de Jésus, c'est des paroles prononcées qui me fait reculer. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui tu dois libérer mon chemin, tu dois libérer mon chemin, tu dois libérer mon chemin, tu dois libérer ma route, au nom de Jésus-Christ. Toi qui s'impose, tu t'interposes au nom de Jésus-Christ sur mon chemin, sur ma route, quelles que soient les alliances qui me fait reculer au nom de Jésus-Christ. Serpent, tu dois libérer au nom de Jésus-Christ. Allez, Boa, allez, Mamba, au nom de Jésus-Christ. Allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te coupe, je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te couper au nom de Jésus-Christ. Allez libérer, 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 allez libérer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Exode 14, mes bien-aimés, nous avons lu hier. Et Moïse, mes bien-aimés, lorsqu'il a vu les serpents. Moïse a commencé à fuir. Dieu a dit, Moïse, il ne fuit pas. Mais bien-aimé, tu es en train de fuir. Tu ne sais pas là où tu pars, mes bien-aimés. Jusqu'à ce que tu vas tomber sur un trou. Mes bien-aimés, les serpents, on ne les fuit pas. Retourne. Mes bien-aimés, il y a des situations où tu as fui. Mes bien-aimés, tu dois retourner. Il y a des hommes et des femmes tellement ils t'ont tourmenté toute la vie. Tu as dit pour mieux vivre avec ces hommes, il faut fuir. Mais bien aimé, Dan, on ne les fuit pas. Tu dois les combattre. Quiconque se pointe sur ton chemin, oui, c'est mon chemin. Moi, j'avance. Je vais courir pour aller où? Pour changer de route. Mais bien aimé, chacun de nous dans la vie, il a son chemin, il a sa route. Mais bien aimé, lorsqu'il y a l'obstacle qui se pointe sur ta route, toi tu commences à fuir. Mais bien aimé, tu vas aller entrer dans des chemins qui n'est pas à toi, dans des routes qui n'est pas à toi. Mais bien aimé, tout va basculer dans ta vie. Ça veut dire, il faut affronter. Le problème c'est simple, affronter mes bien aimés, affronter l'obstacle. Si c'est le serpent, Dieu a dit Moïse, il retourne, elle arrête ce serpent là. Tiens-lui, mes bien aimés, parce que il sera anéanti, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Moïse a touché seulement la queue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Zonga normal, Zonga. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu me dis Amen, mes bien-aimés, toute chose qui a changé, mes bien-aimés, à cause des serpents, ça va redevenir normal au nom de Jésus. Yo Simba kaka serpent wana. Situation na yo ko changer. Situation a ba ne ko. Et ko Zonga normal. Parce que Moïse, il avait son bâton. Lorsque
que Dieu lui a démontré ça. Mais bien aimé, les bâtons a changé. Mais bien aimé, les marais peuvent changer. Les travail peuvent changer. Mais bien aimé, dans le Seigneur, les santé peuvent changer. Sont qu'on simbi nyoka. Mais bien aimé, nyon soto est zongi normal. Mais bien aimé, dans le Seigneur, lève-toi. Retourne encore. Va là-bas, mais bien aimé, dans ta prière. Mais bien aimé, que personne ne t'empêche. Va toucher là où tu n'as jamais touché. Au nom de Jésus-Christ, allez, monte avec moi. Au nom de Jésus-Christ, allez, prie maman. Au nom de Jésus-Christ, enfonce-toi. Oui, papa Hubert. Au nom de Jésus-Christ, les situations compliquées là, qui a compliqué, ça fait 5, ça fait 10 ans, tout a basculé dans ta vie, tout ce qui était normal, ça s'est changé. Mais bien aimé, c'est la présence du serpent. Au nom de Jésus-Christ, olobi nazo katamutu, nazo simbayo na mokila, nazo zonga, que soit du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, au kosalate, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez monter maman, allez monter papa. Au nom de Jésus-Christ, tozo bondela, au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, monte. Nous sommes en train de prier. Que ce soit dans nos églises, dans nos assemblées. Aujourd'hui, rien ne va. Mais bien aimé, dans le Seigneur, qui a changé nos églises? Qui a changé nos ministères? Mais bien aimé, dans le Seigneur, ça doit redevenir normal. Au nom de Jésus-Christ, attaque mes bien aimés. Attaque mes bien aimés. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit la vipère, qu'il soit les dragons volants. Mais bien aimé, qui vomissent. Mais bien aimé, dans le Seigneur, allez. Monte, tiens-toi sur l'alliance du sang de Jésus, par les saints et par les feux. Mais bien aimé, commence à les saccager, commence à les détruire, commence à les paralyser. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez matin à ma bondeli, au nom de Jésus-Christ, allez joie et paix, au nom de Jésus-Christ, 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 nazo katakata, nazo. Au nom de Jésus-Christ, les alliances avec les serpents dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de couper du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, qui m'empêche d'avancer. Aujourd'hui, vous allez libérer ma route, vous allez libérer la route, vous allez libérer ma route. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mourez, 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 mourez. Vous qui piquez, vous qui amenez des maladies incurables, des maladies sataniques et diaboliques, au nom de Jésus-Christ, Nazokata, Nazokokata, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Nazokata, Oyelanda Kabana, au nom de Jésus-Christ, Elanda Kamabala, au nom de Jésus-Christ, Nazokata, Nakombona Yesu, Nazoboma, Nazodétruit, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce qui m'empêche de vivre la Pâque, de vivre la Pâque, de vivre la résurrection, de vivre les miracles. Au nom de Jésus-Christ, binobozongi sangaka sim, bokwe isakanga, nakweya. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez monter maman, allez monter papa. Au nom de Jésus-Christ, tozo bondela, ah tozo bondela, nakombo na Yesu Masia, le sympa qui vomit, mais bien aimé. Attaquez-les sur sa queue au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, au nom de Jésus-Christ, peu importe sa race, au nom de Jésus-Christ, allez lève-toi, allez lève-toi, allez lève-toi dans ta prière, ne baisse pas les mains, au nom de Jésus-Christ, allez monte encore, allez monte encore, allez paralysez-les dans nos églises, ils ont touché. Changer au nom de Jésus-Christ dans ta famille, ils ont tout changé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Allez, monte, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Apocalypse, mais bien-aimé, on nous présente les serpents, c'est les diables. Pardonnez-moi.
On nous présente les serpents, mes bien-aimés. C'est les drabes, c'est les dragons, mes bien-aimés. Les dragons volants. Mes bien-aimés, c'est eux qui nous perturbent, mes bien-aimés. Qui se pointent sur nos chemins, mes bien-aimés, pas moyen d'avancer. Les enfants n'avancent pas. Ah, moi, je me pose des questions. Il y a des parents, mes bien-aimés. Il y a des parents comme ça. Ils ont mis au monde leurs enfants. Il est à l'aise, mes bien-aimés. Ils sont à l'aise, ses parents. Ils voient la vie des enfants n'évolue pas. Il n'a pas de stratégie à monter, mes bien-aimés, pour que ses enfants s'en sortent. Jusqu'à ce qu'elle est en train de vieillir. Elle est en train de grandir. Elle n'a plus de force, mais il veut toujours, mes bien-aimés, évoluer avec ses enfants comme ça. Il ne cherche pas la prière. Même s'il est à la prière, il ne prend pas les choses au sérieux. Il ne gêne pas. Mais bien aimé, dans le Seigneur, oh, c'est quelle sorte de parent. Mais bien aimé, s'il y a un jour, tu as mis au monde, tes enfants, mes bien aimés, commencent à grandir. Ça veut dire, c'est ça le monde. Toi, tu commences à te fatiguer. Ils doivent prendre les relèves. Au solembi, mes bien-aimés, tu fais des travaux seulement, tu es fatigué, mes bien-aimés, parce que tu ne prends pas soin, mes bien-aimés, de ces serpents-là. La Bible dit ceci, dans Psaume 91. Mes bien-aimés, Psaume 91, les versets, mes bien-aimés, 13. La Bible dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Et tu fouleras les lionceaux et les dragons, mes bien-aimés. C'est seulement les serpents là. La Bible dit, tu marcheras. Est-ce que tu peux commencer à marcher, mes bien-aimés? Tu peux commencer à marcher si tu n'as jamais marché. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus-Christ. Si tout obstacle, mes bien-aimés, qui se pointe, qui soit des dragons, qui soit des lionceaux, la Bible dit qu'il n'y ait pas les bêtes féroces sur les chemins de mon peuple. Au nom de Jésus-Christ, allez, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Ozo tambola na kombo na Yesu eloko nyonso oye pekisaranga na tambola na kende liboso toutes choses au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus. Allez monte maman, allez monte papa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Allez marche maman, allez marche au nom de Jésus-Christ, allez marche, allez marche. Marche maman, ozo tambola, au nom de Jésus-Christ, tambola li kolona ye, tambola li kolona ye, tambola, tambola li kolona bango, ko bange lo kote. La Bible dit on marchera, allez marche, au nom de Jésus-Christ, dans ta prière, allez marche, au nom de Jésus-Christ, olobinazo marche, au nom de Jésus-Christ, oye kanga kanga, na bougete, oye kanga kabana nanga, je marche, ce qui bloque ma famille, au nom de Jésus-Christ, oye kanga kanga. Ma bala, au nom de Jésus-Christ, nazo marché, obstacle nyonso, au nom de Jésus-Christ, nazo tambola, nakacha mangomba, nakacha mboka nanga, nazo tambola, likolo, nabadane nyonso, oyo basala kaete, mboka nangai, ekende libosote, au nom de Jésus-Christ, nazo tambola, au nom de Jésus-Christ, obstacle nyonso, oyo apesheka, yo nyoka, oyo telema, nakacha Congo, nazo tambola, au nom de Jésus-Christ, nazo. Au nom de Jésus-Christ, Nazo Tambola, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me libère, je me délivre, au nom de Jésus-Christ, je proclame ma libération, je proclame ma délivrance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, confesse maman, confesse papa, dis je me délivre, je délivre mes enfants, je délivre ma route. Je délivre mon chemin par le sang de Jésus-Christ. Je délivre ma route. Je délivre la route de mes enfants. Je délivre la route de mon mari. Au nom de Jésus-Christ, allez derrière moi. Je barre la route. Au nom de Jésus-Christ, à toutes choses qui me poursuivent. Au nom de Jésus-Christ, je frappe d'aveuglement mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, les méchants qui se pointent, qui cherchent toujours à me localiser. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça mérite les acclamations. Comme il est dit, Maman la grâce, vous avez bien prié. Vous avez bien prié. Alléluia, Hosanna.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, nous avons commencé, nous avons cheminé, nous voici à la fin. Mes bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus couvre ce week-end, mes bien-aimés. Que ce soit le week-end des surprises, des miracles, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour la seule gloire du nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous prend en charge au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Tu as commencé, tu as cheminé, nous voici à la fin. Nous venons encore, éternel Dieu, confier nos vies entre tes mains. Seigneur, couvre-nous par ton sang, éternel Dieu. Et que le Saint-Esprit de Dieu, ô Yahweh, nous prend en charge pour nous conduire et continue à nous révéler ce qui est caché et profond. Protège nos enfants, sécurise nos enfants, nos églises, nos assemblées, nos pays. Merci pour ce week-end, éternel Dieu des amis. Ce que nous n'avons pas vu, Seigneur, dans la célébration de l'année passée, éternel Pentecôte 2023, nous le verrons, éternel Dieu, oh, dans la Pâque, Seigneur. Dans la semaine pascale, Seigneur, ce que nous n'avons pas vu dans la semaine pascale, éternel Dieu de 2023, nous le verrons, Seigneur, cette semaine, pour ta seule gloire, ce week-end, pour ta seule gloire. Sois béni, sois glorifié, nous interdisons à l'ennemi d'agir, de venir nous tourmenter, et cela au nom de Jésus-Christ, que ton règne soit manifesté dans chaque maison, dans chaque endroit. Moi et mes bien-aimés, nous avons ainsi prié. Et nous disons amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Deviens partenaire de cette œuvre. Envoie-nous ton témoignage. Soyez bénis. Soyez bénis. À 23h, on se dit ciao, 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 ciao.